bien un manque. C'est exactement comme si ce serait un système parfait s'il n'était pas défectueux. La défectuosité vient du manque. Et le manque, il tient à quoi? Qu'est-ce qui ferait que l'astrologie ne soit pas capable, comme dirait effectivement notre ami Vanel, pourquoi toute seule ça ne marcherait pas? C'est pas que ça ne marcherait pas, ça marche, mais avec une défectuosité. Et à quoi tiendrait cette défectuosité, cher Marc? Au manque de connaissance du genre humain. Donc l'astrologie ne serait pas... il lui manquerait, il y a des éléments qu'elle ne comporterait pas en son sein. Il y aurait des connaissances qu'elle ne véhiculerait pas. Elle est perfectible, elle arriverait à les parfaire. Bon, monsieur, c'est une des méthodes pour parfaire l'astrologie. Monsieur Cristiano, vous m'avez dit, me ha dicho hace dos días, que el tema no es, no, de manera, no es bastante. Bien, hay una correspondance avec le tema astral et un autre système de prédiction, mais surtout, je veux dire, que le thème astral, il parle de la personne. D'abord, un autre système, qu'il parle aussi de la personne, c'est plus nécessaire que s'utilise. C'est plus nécessaire que l'astrologue collabore avec les psychologues, collabore avec les ésotéristes. C'est plus nécessaire parce que c'est le même discours, c'est le discours de la personne. D'abord, l'astrologie, aujourd'hui, il y a la part physique, que c'est universelle, que c'est la part de la théorie, mais il y a une part, que c'est la part de la pratique, c'est la part de la science humaine, que c'est ce que vous avez dit. C'est plus difficile d'arriver à une question universelle d'interprétation, c'est vrai, parce que ce sont les sciences humaines, c'est le problème de la psychologie. La psychologie, il y a plusieurs écoles. Il y a l'école de la Jungienne, il y a l'école freudienne, il y a l'école conductiste. D'abord, dans l'astrologie aussi, il y a beaucoup d'écoles. Il faut avoir des colloques avec un autre spécialiste. C'est l'exit de ce colloque, apporter un autre spécialiste pour parler tout de la personne. L'astrologie, il a un discours, mais ce discours n'est pas complet, n'est pas prédictif. J'avais dit, fait des jours, que l'astrologie c'est biographique. C'est une information biographique complémentaire et il y a la possibilité de que la personne ne connaît pas chose de elle-même que l'astrologie peut dire. L'astrologie peut apporter à la personne chose biographique que cette personne n'est pas connue. Mais aussi, il y a des choses qui ne sont pas dans l'astrologie de la personne. Il faut reconnaître la limitation de l'astrologie, c'est un discours concret qu'il peut apporter chose, mais n'est pas tout. Totalement au vu de la consultation. Donc c'est un petit peu ce petit rappel que je voulais faire. Et deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'est sur les différents paramètres que fait intervenir l'astrologie. En fait, effectivement, moi j'ai une pratique d'astrologie, avec un terme un petit peu barbariste, on va dire, c'est de la physiologie. C'est un thème que j'ai déposé il y a quelques années, puisque mon approche de l'astrologie est totalement intuitive, en fait. Je n'ai eu aucune formation, je viens d'un pays pas très lointain, mais pas des États-Unis, mais d'Algérie. Et l'astrologie, au départ, a été plus ou moins une forme on va dire, d'appel. Donc, moi, quand j'ai découvert l'astrologie, il n'y a eu aucun professeur, aucune école, aucun ouvrage. J'ai vraiment eu une approche médiumnique, puisque, j'aime pas ce terme médiumnique, mais plutôt physiologique, c'est-à-dire que, à partir du moment où j'ai eu cet exercice de me plonger dans les éphémérides, je vous parle de ma période d'étudiant en psychologie, où j'étais à la Sorbonne, il m'a suffi un an pour comprendre les mécanismes, puisque en 90-11, je suis venu enseigner chez vous, Jacques. Et vous venez à ce moment-là, vous venez juste d'apprendre, en fait. En quelque sorte, non, je peux remonter à mes 14 ans, où j'avais une passion pour les 9 planètes, plus la Lune, si vous voulez. Mais il y a eu quelque chose, on va dire, une approche de l'astrologie qui était complètement... religieuse, pourtant je ne suis pas un religieux au sens propre du terme, mais ça a plus été une approche, on va dire, intuitive. J'avais des formules d'astrologie que je n'avais absolument pas lues dans des ouvrages. Je voudrais vous demander, par rapport à la question du manque, à votre avis, pourquoi, dans quelle mesure, qu'est-ce qui manque à l'astrologie qui implique quelque chose d'autre qui vient soit de l'astrologue en tant que personne, soit d'un savoir? Qu'est-ce que c'est que ce manque? Oui, ça fait intervenir différentes... j'avais souvent fait cette réflexion que finalement les astrologues, quand vous voyez leur parcours, ils ne sont pas nés avec la vocation de devenir astrologue. On trouve des musiciens, des grands sportifs. Enfin, pour mon cœur, moi j'étais un très grand sportif, c'est avec l'effet de Mars
des Gauquelins, que j'ai découvert que je pouvais devenir astrologue. Et très sincèrement, par la position de Mars, pas que le seul paramètre, mais disons, ça a été vraiment un déclencheur. Donc, je considère que l'astrologie ou l'astrologue a différents savoirs. S'ils viennent de la psychologie, de la psychanalyse, ou de la cabale, ou même de la littérature, parce que finalement, c'est un langage très poétique. Et moi, je suis toujours un petit peu contre ces astrologues qui essayent toujours de se prouver, enfin, pas de se prouver, mais de prouver, en fait, à la communauté scientifique qu'ils sont leur ego. Alors que finalement, on n'a même pas besoin de se justifier. Moi, je trouve que c'est j'ai découvert ça quand, en fait, le terme astral répondait véritablement. Je suis d'accord qu'il ne peut pas répondre à tout. Puisqu'effectivement, un thème natal d'une personne née à la même seconde, à la même minute, qu'on prenne un Mitterrand né en 1916 avec le même individu né à la même seconde à Jarnac, effectivement, cet homme n'est pas devenu président de la République en 1981. Donc, qu'est-ce qui fait que d'autres paramètres interviennent? Bon, je considère qu'il y a effectivement ici tout le manque, tout le vide dont vous parlez. Je crois que l'astrologie peut devenir effectivement très fédératrice, entre guillemets, à partir du moment où elle a fait une synthèse avec les différents savoirs. Entre autres, la psychologie, l'histoire, pourquoi pas finalement, la connaissance de l'histoire, la connaissance des cycles historiques. Et en fait, j'ai découvert ça en enseignant finalement. Puisque je n'avais aucune intention de devenir astrologue. D'ailleurs, mon nom, finalement, porte la résonance de la maison 11, puisque mon nom, c'est Amici. Et en amis. Latin, donc, les amis, oui, mais c'est aussi la correspondance Amici, avec la maison 11. En fait, ce sont toutes ces questions, ces petites choses qui m'ont amené à aller véritablement... Françoise Gauquelin, Françoise et Michel Gauquelin, à travers leurs travaux, ont apporté un début de preuve de validité que pourraient prendre en compte certains scientifiques pour la validité de l'astrologie. Jean-Paul Citron a tendance à nous montrer que la clé pourrait être dans l'analyse des processus biochimiques de façon à pouvoir trouver des corrélations physiques patentes. Bon. Alors, y a-t-il d'autres... existe-t-il le problème, c'est de savoir si l'astrologie est en mesure de devenir une science, ça veut dire est en mesure de devenir quelque chose d'incontestable qui puisse être étudié dans les universités à part égale avec d'autres domaines d'études. Une philosophie qui se base sur des exigences physiques, des exigences d'ordre astronomique, biologique, physique, mais c'est quand même une philosophie. Et aussi une part de... Tant qu'on en est au point où on en est, c'est une part de religion, dans le sens où il y a un côté croyance dans l'astrologie qui fait que pourquoi nous on est astrologue et à l'extérieur il n'y a pas d'astrologue ou des gens qui raillent les astrologues, c'est parce que il y a une croyance que les uns, ou une expérience, vous allez me dire, une expérience que nous avons, ou une croyance que nous avons, un consentement à accepter certaines choses que d'autres ne consentent pas à accepter par leur scepticisme, qui fait que l'astrologie est de l'ordre de religion, entre guillemets, quelque part. Donc moi je vois que, d'ailleurs, les histoires, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure en début en introduction, les histoires de la culture classent l'astrologie aussi bien dans les histoires de dans l'astronomie que dans la philosophie que dans la religion. Hein. Vous prenez l'histoire des religions de Mircea Eliade, on a un petit bout, on a quelques petites pages consacrées à l'astrologie. Vous prenez une histoire de l'astronomie, évidemment l'astrologie a été conjointe à l'astronomie pendant des siècles, donc on en traite d'une manière dérisoire, mais on en traite quand même. Pareil pour la philosophie, on peut très bien considérer dans certaines encyclopédies l'astrologie, surtout celle du deuxième siècle à l'époque stoïcienne, comme rentrant dans ce cadre d'une philosophie donnée liée au stoïcisme. Bon, donc le statut de l'astrologie est extrêmement ambigu. Le fondateur de l'astrothérapie. J'ai collaboré avec Jacques Albron. Je remarque qu'aujourd'hui le débat est assez élevé. Moi j'ai une remarque à vous proposer, c'est que nous avons l'astrologie de notre époque.
et qu'à chaque époque correspond une certaine astrologie. L'astrologie des Mésopotamiens, c'était l'astrologie que les Mésopotamiens avaient à leur époque. Ça ne correspond pas à l'astrologie de notre époque, qui est différente. Maintenant, est-ce que cette astrologie est adaptée à notre époque ou est-ce qu'elle doit être autrement? Ça, je ne sais pas, mais chaque astrologie correspond à son époque. C'est tout ce que je voulais dire. Moi, je pense que l'astrologie dans sa structure n'a pas à revendiquer à être scientifique, puisque son raisonnement s'appuie sur l'analogie et non pas sur la relation de causalité. De plus, la notion d'influence physique n'est absolument pas avérée, donc on peut considérer que l'astrologie peut-être ou pourra être une science dans un avenir proche ou lointain, mais on ne peut pas se réclamer d'ores et déjà d'une astrologie scientifique. Non, on se réclame pas, on demande si c'est souhaitable. Jean-Paul Citron a essayé de, il me semble, de montrer qu'il pouvait y avoir des rapports entre les cycles astronomiques et les processus biochimiques, hein, si j'ai bien compris. Bon, à ce moment-là, ça peut être un début quand même de... C'est une série qu'il faut être, c'est-à-dire qu'il faut maintenant, selon les tests, que selon les résultats, on les corrige, on les modifie, en fait, c'est la démarche. Alors je vais un peu rentrer dans mes... Après tout, je n'ai pas eu l'occasion beaucoup de parler. Bon, mes trois hypothèses pour l'astrologie, elles sont toutes simples. Rien ne marche, tout marche, il y a quelque chose qui marche et ce quelque chose est quelque chose de précis. Bon, voilà mes trois hypothèses. Alors l'hypothèse rien ne marche, c'est l'hypothèse que j'appelle Geoffrey Dean. Bon, moi je suis très influencé par on pourrait l'appeler Albron à la limite, mais bon, avec des nuances. Bon, c'est l'hypothèse Geoffrey Dean. Rien ne marche en astrologie. C'est-à-dire, l'astrologie est juste autosuggestion, effet placebo. C'est comme ça, dernièrement, que Geoffrey Dean a réinterprété les résultats statistiques Gauquelin, d'ailleurs, dans un article que vous ne connaissez pas. Bon, c'est un article très récent, là, qui vient de... Bon, alors, c'est l'interprétation sceptique qui tend à montrer que tout... ce que pourront dire les astrologues, ça sera juste des effets de suggestion, des effets, ou alors des hypothèses d'identification, d'atavisme et d'enracinement culturel, alors hypothèse annexe, hypothèse Arnaud Muller, Jacques Albron. Bon, alors ça c'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse, tout marche. Alors cette hypothèse-là, je l'appelle l'hypothèse Cornelius. Hein, Geoffrey Cornelius, je ne sais pas si vous connaissez, qui a écrit un excellent ouvrage au point de vue philosophique qui s'appelle The Moment of Astrology et qui a été salué à la fois par Robert Rand et par Patrick Curie comme étant le meilleur ouvrage d'astrologie du siècle. Bon, alors c'est un ouvrage d'astrologie horaire et dans cet ouvrage vous pouvez lire que tout marche en astrologie bien entendu et même le mauvais thème marche aussi bien que le bon. Donc, l'astrologue horaire, en fait, n'a même pas besoin de connaître pour faire un thème natal, il n'a même pas besoin de connaître l'heure de naissance de l'individu. Il fait son thème natal sur n'importe quel thème, puisque tout marche, puisque le rapport à la clientèle n'a à la limite pas besoin de thème. Hein? C'est ce que je dis aussi. C'est ce que tu dis aussi. Donc, alors, ça, c'est une hypothèse. Voilà. Et je pense justement que ces deux facettes sont liées quelque part. Alors peut-être que la liaison, elle est là. Alors la troisième, et c'est aussi l'hypothèse en France, on a Bétourné, par exemple. Je ne sais pas, là, vous connaissez peut-être mieux l'hypothèse Bétourné. L'astrologie est des récits. Ce sont des récits. Alors on prend un thème, on peut raconter n'importe quoi, puisqu'on a en face de soi une personne à qui on raconte son histoire. Alors cette histoire, elle dépend uniquement de la fantaisie de l'astrologue, il n'a même pas besoin de thème, à la limite, où il pourrait lui aussi avoir le mauvais thème, parce que ça ne changerait rien à l'histoire. Après troisième, tu pourras... La troisième hypothèse à laquelle je n'attribue pas de nom, on pourrait l'appeler l'hypothèse Nicolas pour faire plaisir à certains. Non, l'hypothèse Nicolas. Mais aussi Ptolémée, Alcmaeon, Cardan, Paracelse, peut-être d'autres auteurs qui pensaient qu'il y avait une certaine forme d'astrologie qui marche et une forme qui est liée à certaines exigences. Bon.
L'astro est, l'astro, donc cette hypothèse tend à montrer qu'il y a quelque chose qui fonctionne et qui est en relation avec les cycles et avec le système nerveux, et qu'à partir de là, le travail de l'astrologie, c'est d'une part pas le travail du scientifique, qui serait plutôt là, le travail de Jean-Paul Citron, lui qui est de rechercher les corrélations et ce qui est le niveau intérieur. Mais l'astrologue, lui, aurait la fonction d'analyser ces résultats qu'on aurait et d'en tirer le meilleur modèle d'astrologie, celui qui serait juste, puisqu'il serait justifié par des processus biologiques, des lois d'intégration, etc. Bon, donc entre les trois modèles, donc voilà, on peut discuter, à mon avis, de ces trois modèles qui sont et chacun, je pense, peut se situer assez facilement dans ces trois modèles. Il y a beaucoup d'astrologues praticiens, par exemple, qui sont dans le tout marche. C'est bien évident qu'il suffit de prendre l'astrologue qui déclare que tel modèle est bien parce que ça marche, c'est-à-dire c'est le sien. Mais l'autre d'à côté dira que lui aussi ça marche en faisant l'inverse, et puis donc il n'y a pas de critère, il n'y a pas d'exigence de vérification et même parce que l'exigence n'est pas forcément, et là c'est pour en revenir à nos problématiques à nous, l'exigence n'est pas forcément au niveau biologique ou au niveau statistique de vérification empirique sur le réel, mais l'exigence peut être tout simplement à un niveau logique, un niveau de compréhension logique du fonctionnement, sans pour autant qu'on ait les clés biologiques pour expliquer les phénomènes. Alors je passe la parole à Jacques Albon, qui sans doute a envie d'intervenir. En l'occurrence, je me porte un faux dans cette classification, parce qu'en ce qui me concerne, je me retrouve dans les trois cas. Donc alors, à ce moment-là, je ne dis pas ça pour embêter ce bizarre, parce que je le sais très bien. Mais je crois qu'il ne faut pas confondre deux choses. L'hypothèse, comme tu l'appelles, l'hypothèse Albron-Müller ou Müller-Albron, ne concerne que la question de l'influence de la relation entre l'homme et les astres. Elle pose ce problème-là. Le problème de tout marche est au niveau de la consultation et de l'interprétation. Donc ce sont deux flancs, j'en ai parlé d'ailleurs ce matin, c'est le problème de l'instrumentalisation des astres comme servant de signaux, effectivement. Si on instrumentalise les astres et on en fait des signaux, eh bien ça peut marcher. Au niveau de la consultation, si le client instrumentalise le thème astral et en fait sa chose, ça peut marcher. Donc là, dans ces deux cas, ça marche. Donc je ne vois pas dans quel cas je dis que ça ne marche pas, parce que moi, je ne crois pas qu'il y ait un seul de mes propos qui dise que ça ne marche pas. Ce que je dis, c'est que ça marche, mais pas pour les raisons que les astrologues disent. Ça fait différent, donc c'est pas le clivage. Et puis en ce qui concerne le fait qu'il y ait quelque chose qui marche, eh bien moi-même je suis partisan, comme chacun sait, je suis partisan de l'étude du cycle de Saturne en conjonction avec un certain nombre d'étoiles qui a une incidence au niveau non seulement mondial, mais au niveau même des cycles individuels et collectifs. Donc de ce côté-là, je suis aussi dans il marche, quelque chose marche, pas tout, effectivement, mais je voudrais pour terminer dire que effectivement, les gens qui m'inquiètent, ce sont les gens qui disent tout ce qui est astronomique est utile à l'astrologie. Tout ce que l'astrologie, en tant que tradition, a véhiculé doit servir à quelque chose. Et tout ce que l'être humain fait ou vit doit être étudié par l'astrologie. Alors là, effectivement, on a dans cette... Non, je ne vise personne. Je dis que, d'une certaine manière, c'est un peu ce qui est... Ça n'est pas dit. Attention, il faut distinguer ce qui est dit et ce qui est fait. Ce n'est pas dit, mais tout se passe comme si. C'est-à-dire que la plupart des astrologues ne vont pas au bout de leur propre logique, donc ils ne définissent pas clairement leur position. Mais en réalité, cette position de l'astrologue moyen, c'est ça. C'est-à-dire que d'une certaine manière, du moment qu'il y a tout ce qui existe au niveau astronomique, y compris les nouvelles planètes, y compris Chiron, y compris les nœuds lunaires, y compris toutes sortes de divisions, la Lune, etc., tout ça doit avoir forcément une utilisation en astrologie. Deuxièmement, tout ce que l'astrologie a pu accumuler au cours de son existence, les maîtrises, les domiciles, ceci, cela, le sacrétisme, etc. Tout ça doit forcément avoir un sens en astrologie et il suffirait simplement de voir à quoi ça peut servir. Il s'agirait simplement de répartir les fonctions. Et bien évidemment, tout ce qui existe dans la nature humaine, tout le vécu, tout le comportement,
comportements, tous les événements, tout ça fait également l'objet de la recherche astrologique. C'est-à-dire qu'il y a, donc c'est une approche qui est complètement globale, on globalise le cosmos, on globalise la tradition astrologique, on globalise le vécu humain, et ça fait une totalité extraordinaire. Alors effectivement, par rapport à cette totalité astrologique, il y a des astrologues qui, au contraire, pour opposer à ce modèle de la totalité du global, qui disent tous les astres n'ont pas forcément une signification en astrologie, tout ce qui est dans la tradition astrologique n'a pas forcément une incidence et une importance, et tout ce qui arrive à l'être humain ne concerne pas forcément l'astrologie. Donc là, effectivement, il y a un autre clivage que je choisis. On ne veut pas choisir parmi l'ensemble du cosmos ce qui est pertinent pour l'astrologie, on ne veut pas choisir dans l'ensemble de la tradition astrologique ce qui peut avoir une certaine valeur, et on ne veut pas choisir dans ce que vit l'être humain ce qui peut concerner l'astrologie. Voilà, donc il y a un triple refus du choix. Bon, alors pas, donc c'est d'ailleurs qu'on dit, on prend tout, et puis tant qu'à faire, on va peut-être essayer de voir qu'est-ce qui peut servir à quoi, mais globalement, tout est bon en astrologie, tout est bon dans la tradition astrologique, tout est bon dans l'astronomie, tout est bon dans l'être humain, on prend tout, on explique tout, on complique. Bon, alors, l'autre position, qui est plus épistémologiquement acceptable apparemment, ce serait de dire, c'est ce qu'on fait d'ailleurs avec Gauquelin, de manière à mon avis est tout à fait remarquable, c'est-à-dire qu'ils nous ont montré, et c'est là en effet que les Gauquelins n'ont pas été suivis, ils n'ont pas été puisqu'ils ont fait, ils ont choisi, ils ont mis en évidence certains facteurs qui semblent fonctionner au niveau cosmique, pas tous. Alors donc il y en a certains qui sont à privilégier, mais pas les autres, d'une certaine manière. Ça serait déjà un processus de choix. Ils ont essayé également de montrer que dans la tradition astrologique, il y avait certains éléments de la tradition astrologique qui recoupaient leur thèse, pas tous. Donc là, encore, il y a un choix. Et dans ce qui concerne ce qu'on peut expliquer par l'astrologie, eh bien là aussi, il est clair que c'est plus certains phénomènes, comme le choix professionnel, la réussite professionnelle dans certaines professions, et pas tout. Donc effectivement, ils ont introduit l'idée d'une sélection, et c'est cette sélection-là qui fait problème pour la plupart des astrologues. Parce qu'ils disent, oui, il y a ça, mais le reste aussi, pourquoi pas. Oui, je voudrais demander, qu'est-ce que c'est que la tradition astrologique ? Ça me paraît quelque chose qui n'existe pas, puisque finalement, la plupart des astrologues ont élaboré des théories assez différentes. Alors, s'agit-il de trouver une espèce de base commune ? C'est une loi. Seulement, à ce moment-là, est-ce que cette base commune n'est pas extrêmement pauvre ? Il n'y en a pas beaucoup. La thème consiste à donner des chiffres aux positions planétaires selon toutes les classifications existantes, en termes, en décan, en matière d'exaltation. On donne des points à chaque planète, d'après X nombre de catégories, et à la fin, en accumulant et en additionnant toutes ces catégories, on va vous dire quelle est la planète la plus forte du thème. En multipliant, il y que le repère Aldébaran-Antares, ce sont pas des fictions. Alors on pourrait évidemment discuter de savoir si ces étoiles sont loin ou pas loin, mais ça ne nous intéresse pas. Non, mais attendez, c'est pas la peine de mettre dans le verbiage extensif. Je suis d'accord, comme système de repère, j'ai pris la précaution de le préciser au départ. C'est acceptable. Bon. Je voudrais en revenir. Mais moi, j'ai lancé un autre débat. Non, je suis désolé. J'ai lancé un débat sur le zodiaque. Vous avez posé une autre question tout à l'heure à laquelle je réponds, parce que vous m'avez assimilé à l'école conditionnaliste. Il n'est pas question pour moi de prendre toutes les découvertes astronomiques comme s'inscrivant dans le champ astrologique, et ni même toutes les connaissances astronomiques relativement datées. Mais pour développer ce point de vue, il me faudrait 5 minutes. Je ne sais pas si tu me l'accordes, chef. Oui, mais de toute façon, on vient de commencer. Moi, j'ai lancé un débat. Je viens de lancer un débat. Sur ce point, je suis d'accord. Il est évident qu'effectivement, c'est vrai que c'est caricatural de dire, d'ailleurs, personne, au sens strict, ne va prendre en compte la totalité de tout ce qui est astronomique. Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire, Jacques. Ce que j'ai voulu dire, hier, je t'entendais, Jacques, dire... Ah, c'est intéressant! Il ne parle pas comme ça, Jacques. C'est intéressant de savoir que Saturne est jaune parce que j'ai oublié. Ce que tu en déduisais au plan analogique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est si on dit Jupiter c'est le foie, parce que Jupiter est la plus grosse planète et que le plus gros organe est le foie. Ce qui m'intéresse, c'est que nous restions logiques d'un bout à l'autre du système solaire. Donc si je dis Jupiter, c'est le foie, parce que c'est la plus grosse planète. Qu'est-ce que je dis de Pluton, qui est la plus petite planète? Certains disent c'est les couilles, mais c'est leur problème. Ce qui m'intéresse, c'est de prendre dans le champ de la réalité astronomique
impréférentiel et de lui tenir. Si je dis « Mars, c'est le sang parce que c'est rouge », je dois décliner les significations de toutes les couleurs observables des planètes. Ce que j'ai choisi, moi, pour l'instant, et je suis sûr que c'est pas bon, et je suis sûr que c'est partiel, c'est de ne prendre qu'un référentiel, c'est le temps. Et de dire l'astrologie parle de temps, l'astrologie parle de cycle. Dans cette optique-là, nous avons essayé de décrire les signes de zodiaque, du zodiaque avec Jean-Pierre Nicolas, comme un cycle et non comme un cercle, et que chaque signe du zodiaque représente un rapport au temps, arc diurne, arc nocturne, je n'ai pas le temps, je suppose, de développer ça. Nous avons décrit les planètes, enfin surtout j'ai décrit les planètes, comme une sensibilité à un cycle. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, c'est de savoir que les gens marqués par la fonction lunaire sont marqués par un cycle, sont sensibles à un cycle de 28 jours, et qu'à l'autre extrême, les gens marqués par la fonction plutonienne sont sensibles à un cycle de 249 ans. C'est-à-dire, par exemple, que les gens marqués par la fonction plutonienne, quelque part, sont sensibles à une échelle de temps à l'échelle de laquelle l'existence humaine est peu de choses. Et je vais essayer de développer toute une compréhension de Pluton, ou de la Lune, ou de Mercure, ou de Vénus, ou du Soleil, sur un référentiel qui est le temps. J'utiliserai le même référentiel temps pour le zodiaque. Et tout à l'heure, nous discutions avec Christian sur les maisons, et ça me suffit, à titre d'hypothèse, à fonder le système de Placidius en disant, tiens, les maisons de Placidius sont une division chronologique du cycle diurne. Enfin, ça me suffit pour dire que les constellations ou les étoiles ne m'intéressent pas parce qu'elles parlent d'espace. Et ce qui m'intéresse, moi, aujourd'hui, demain je sais ce qui m'intéressera. Aujourd'hui, c'est le temps. Demain, je sais ce qui m'intéressera, dans ma prochaine incarnation, je veux dire. Ce sera non plus l'énergie, non plus l'espace, non plus le temps, mais la structure. Mais aujourd'hui, je ne sais pas la pensée. Oui, je ne sais pas la pensée. Je voudrais resituer cette argumentation. Tout à l'heure, je l'ai laissée de façon allusive. Pour le courant auquel appartient Bernard Blanchet, il me semble... Je n'appartiens pas à moi. Nous sommes tous dans des courants. Enfin, je veux dire, pour la tendance qui semble avoir été exprimée là, il s'agit d'une tendance qui considère le système solaire comme une structure dont il faut essayer de comprendre l'organisation, la rationalité, la signification. Bon. Donc, c'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est une conception très, je dirais, très, très ancienne sur le plan philosophique. C'est-à-dire l'idée que, je dirais après, même platonicienne ou néoplatonicienne, c'est-à-dire que le ciel serait une sorte de clé, si on arrive à comprendre le système solaire d'une certaine manière, ce serait une clé pour comprendre l'humanité qui elle-même obéirait aux mêmes lois, en quelque sorte. Bon. Moi, la position que j'ai développée n'est pas du tout celle-là. Je ne pense pas. Je m'excuse parce que je ne peux pas te laisser parler comme ça. Non, enfin, je ne pense pas que qui que ce soit dans cette salle ait pu entendre dans ce que j'ai dit. Ça n'a pas été dit, c'est sous-entendu. Rien du tout. Mais c'est sous-entendu, j'ai pas dit que ça a été dit. Tu ne peux pas toujours, Jacques, pour disqualifier tes interlocuteurs, pourquoi disqualifier, reformuler leur pensée d'une manière tout à fait réductrice. Mais tu reprécises sur ce point. Je ne peux rien repréciser, pardon. Je n'ai jamais eu... Mais le présupposé au niveau du système solaire... Je n'ai jamais eu prétention à comprendre le système solaire. Deux, je n'ai jamais eu prétention à comprendre l'homme ni l'individu humain. Je n'ai jamais rien évoqué de cet ordre-là. D'accord. J'ai juste dit que les rythmes du ciel pouvaient témoigner des rythmes de l'individu humain. L'implicite, il est là, si tu veux. Mais ne parlons pas de connaître, de comprendre, de structure. J'ai précisément dit que la structure, c'est ce que j'étais incapable de penser pour l'instant, dans l'état actuel. L'idée générale est bien celle-là. Je vais donner la parole. Jacques, c'est mis aux prévisions, miracle. Donc, c'est un scoop. Il s'est permis donc de se livrer à l'exercice de prévision depuis quelques mois. Et il a sorti quelque chose qui était pas mal, mais plus ou moins contestable. C'est-à-dire que c'est à vous d'être juge. Et son principe, même si il est basé sur de la récupération, c'est tout à fait normal. Mais c'est tout à fait intéressant. Donc je vais le laisser. Je vais peut-être faire une introduction, si vous voulez, Jacques. Comme vous voulez, sous X.
D'accord. Alors, Jacques travaille exclusivement sur la position de Saturne, donc il isole la planète Saturne, donc comme s'il n'y avait pas d'autre planète, elle n'existe pas, Bernard l'a rappelé tout à l'heure. Donc, en partant de ce schéma, bon, il a pris comme problématique politique le Moyen-Orient, c'est-à-dire avec le problème d'Israël et le camp arabe. C'est pas parce que je suis arabe et qu'il est juif, il n'y a pas de corrélation, hein, je vous rassure tout de suite. Mais il a travaillé sur la position de Saturne en signe mutable, et il s'est rendu compte, je ne vais pas parler à sa place, je fais juste l'introduction, qu'il y avait effectivement quelque chose à observer, des cycles, puisque l'astrologie c'est un discours, c'est le logos, donc le discours des astres, donc des cycles planétaires. Et nous partons de l'année 1942, où Saturne apparemment se trouvait sous le signe des Gémeaux. Il entre en Gémeaux. Pardon ? Il entre en Gémeaux. Oui, voilà. Donc il est à 0 degré tropique. Hein ? Bon. Et 6-7 ans après, Saturne passe sous le signe de la Vierge. Donc le premier cycle, le cycle A, que vous voyez ici, qui est plutôt, c'est une phase qui est plutôt défavorable à la présence israélienne. Là, tout va bien, Jacques. Et puis nous passons au cycle de la Vierge. Notamment au fait qu'il y a l'école, enfin, et juive aussi, parce que c'est oui, l'époque des... entre autres, on peut rappeler des faits historiques, de toute façon, on ne va pas vous rappeler l'histoire, mais en tout cas, ici, le cycle semble conforme. Puis on passe de 48 à 56, un cycle qui semble apparemment beaucoup plus défavorable au camp arabe, etc., etc. Donc on a une boucle comme ça, sinusoïdale, où sur une période de 7 ans, on voit... un plus, un moins, un plus, un moins. Bon. Donc il y a quand même, vous allez en parler tout à l'heure Jacques, mais il y a quand même quelques critiques. C'est ce que je lui ai dit le jour où il est venu à mon cours, où on en a parlé un petit peu houleusement, c'est que c'est une, c'est un peu réducteur de faire une astrologie mondiale en disant que, voilà, cycle A positif, cycle B négatif, cycle A positif. Moi, je me vois mal dans une radio, dans un média quelconque, dire voilà, il y aura un cycle A négatif, un cycle B positif, etc., etc. Donc, les lacunes de ce système, malgré son efficacité, parce que c'est vrai que c'est un système qu'on peut appliquer à l'astrologie individuelle. Donc, moi, je me suis amusé. Alors, il est où? Oui, pardon, excusez-moi. C'est moi qui perds un peu les. Donc, effectivement, on peut l'adapter. On le voit là hein bon, côté. Non, c'était bien, c'était bien. C'est bien? Moins bien? Là, c'est parfait, là. Non, voilà. Mais verticalement. Voilà, comme ça. Là, c'est bon, tout le monde voit. Bon, alors, effectivement, bon, j'ai pris mon thème natal, qui ne figure pas ici, mais forme de linéarité comme ça, de 1966 à l'an 2008. Et donc, ce modèle, on peut l'appliquer au thème natal. C'est bon pour les astrologues qui cherchent un petit peu des pistes. Mais ce diagramme planétaire de Saturne, on peut l'appliquer, puisque bon, j'ai fait un brouillon tout à fait bête hein, rapidement, on peut l'appliquer à n'importe quelle planète. Effectivement, on peut positionner plusieurs niveaux, la Lune, Vénus, Mars, etc. Mais cependant, notre cher ami Jacques Albron ne considère que l'effet de Saturne. Et on peut effectivement prendre des exemples sur un thème natal concret, et on s'apercevra qu'effectivement Saturne... marque un temps, puisqu'effectivement il est l'effet de Chronos, c'est le symbole de, comme tu disais tout à l'heure, mais c'est assez insuffisant, puisque les autres paramètres astrologiques vont nous révéler beaucoup plus d'informations que cet état, que cette période de siècle. Et il a mis des lignes dessus. Bon. Et grâce à ce petit schéma, n'est-ce pas, j'ai vu que le soleil était là, au Lion, et puis que la Lune était en Cancer, et puis qu'on s'éloignait par ordre des distances au soleil. Et une fois que j'avais ce diagramme, il m'a fait une description des signes qui élaborait cette... la pertinence et la solidité de ce schéma. Donc je le situe simplement, point de vue linguistique, il existe depuis, à mon avis, Ptolémée, si j'ai compris quelque chose, cette cohérence-là. Je voudrais que nous soyons, restions très calmes dans la discussion. Non, non, mais je reviens là-dessus, il faut rester très calme. Il ne faut pas être sur la défensive. Effectivement, je comprends. Non, je vais décrypter ce que dit Yves Aubon. Il y a une certaine idée du zodiaque qui consiste à dire que le zodiaque
les signes zodiacaux, d'ailleurs je crois que c'est un peu l'école, l'idée des conditionnalistes, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas s'appuyer sur le symbolisme en tant que symbolisme, ça ne les intéresse pas, ou du moins ils disent qu'ils ne s'intéressent pas à ce symbolisme, ils veulent s'intéresser à tout un ensemble de classifications entre planètes, entre triplicités, entre éléments, et c'est cela qui fait la combinatoire. Mais peu importe, la question n'est pas là. La question n'est pas de savoir, la question est de savoir si le résultat, c'est-à-dire si la description est obtenue des six zodiacaux, est pertinente ou pas. Non pas pertinente sur le plan théorique, non pas parce qu'effectivement elle est le résultat d'une construction conceptuelle de catégorie qui est pertinente, la question est de savoir si le résultat final en tant que tel est ou non pertinent. C'est-à-dire, est-ce que ce qui est dit sur le bélier, sur le taureau, sur les gémeaux, et dire qu'il y a des gens qui sont du bélier, du taureau, du gémeaux, est-ce que ça en soi c'est pertinent, quel que soit le système utilisé. Alors, Marie-France Philippe, répondez sur ce point. Alors, je dirais que quand on commence à parler d'un thème, il faut bien le prendre par un bout. Et que quand on dit à quelqu'un « tu es de quel signe », c'est un moyen de reconnaissance avant tout. Donc, ça permet d'engager le dialogue. Donc, tout le monde sait que quand on est né sous un signe, on a le soleil dans le signe en question. Donc, c'est tout juste un moyen de reconnaissance. Bon, mais c'est certain qu'il ne faut pas, s'en arrêter là. Et... S'il y a une remarque pertinente à faire au niveau des signes, c'est que si on prend les signes par rapport au point vernal, l'équidistance par rapport au point vernal, on se rend compte que, par exemple, si on prend les premiers signes autour du point vernal Poisson-Bélier, ce sont des signes qui sont complètement antinomiques, c'est-à-dire que les qualités de l'un correspond à des photos, des vice-versa. Donc ce sont deux antipodes. Pareil pour Taureau Verseau, Gémeaux Capricorne. Nous allons faire, je vous propose que nous fassions des expériences. Nous allons faire des expériences avec les personnes dans la salle. Voilà. Je vous propose un protocole d'expérience. Vous me direz si vous êtes d'accord ou pas. Nous allons demander à un certain nombre de personnes donc, de sortir de la salle et d'entrer successivement. Nous allons établir un certain type de discours que nous allons leur proposer et nous verrons si ce discours fonctionne. Alors moi je propose la chose suivante. Je vous expliquerai. Bon, donc je vous propose le protocole suivant. Bon, on va partir d'une hypothèse qui vous paraîtra peut-être farfelue, à savoir on va décrire quelle est la psychologie masculine et féminine par exemple. Bon. Moi je considère que la psychologie masculine et féminine est un élément qui n'est pas pris en question dans l'interprétation du thème astral, à moins de dire évidemment que le thème astral, mais en général, et même ces astrologues de tendance conditionnaliste, ils nous disent qu'il faut prendre en compte un certain nombre de facteurs, dont le fait que c'est une femme et un homme, mais est-ce qu'on sait ce que c'est qu'il y a un homme ou une femme, à part sur le plan biologique, etc. Est-ce qu'on connaît les éléments psychiques de l'homme et de la femme qui vont effectivement interférer ou s'ajouter avec l'interprétation du thème? Bon, c'est une question qui est posée. Or, comme il se trouve que jusqu'à présent, du contraire, sur ce plan-là, les descriptions n'ont pas été très élaborées au niveau du féminin et du masculin, je ne sais pas si on dispose actuellement de définitions très, 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 très précises sur la psychologie masculine et la psychologie féminine, par conséquent, il va y avoir un élément qui va manquer dans l'interprétation du thème astral. Et cet élément-là, eh bien finalement, il peut être extrêmement important. Alors voilà ce que je propose. Moi, j'ai une certaine théorie sur le psychisme masculin et sur le psychisme féminin. J'ai une certaine théorie. Je propose qu'on fasse sortir un certain nombre de personnes de la salle et que, au lieu d'interpréter leur thème, on dit simplement ce que nous, on pense que quelqu'un est en tant qu'homme et en tant que femme. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est une sorte de typologie alternative. C'est-à-dire au lieu de définir la personne d'après son signe zodiacal, on va la définir par une typologie non zodiacale, non astrologique, qui est une typologie qu'on va élaborer. Donc, vous pouvez d'ailleurs considérer comme complètement fictive, peu importe. L'expérience n'est pas là. Si elle est fictive, on verra bien. Mais il s'agit de montrer qu'on peut élaborer une autre typologie et que cette typologie, elle va également fonctionner. Elle va également fonctionner. Elle n'a pas moins de chances de fonctionner que la typologie zodiacale.
D'ailleurs, tout simplement, c'est ce qui a été fait, etc. Bon. Alors, je voudrais faire un peu, commencer un peu la critique. Je crois qu'on m'a pas encore compris. Donc, parce que on est tellement les astrologues sont tellement pris dans leur système qu'ils ont beaucoup de mal à prendre de la distance par rapport à ce système. Je disais, est-ce que par exemple, le fait de dire qu'il y a des gens du Bélier, par exemple, est-ce que par exemple, on va prendre les choses autrement. Si je pose la question, est-ce que la femme est plutôt Bélier que l'homme? Dans son psychisme général, on ne va pas dire qu'il y a des femmes Béliers, excusez-moi, on ne va pas dire ça. Donc, est-ce que, à la base, la typologie zodiacale, alors je vais poser le problème d'une manière un peu plus simple, est-ce qu'on peut définir l'homme et la femme en se servant de la typologie zodiacale? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a des éléments zodiacaux qui sont plus spécifiques de la femme et plus spécifiques de l'homme, en dehors de la question de savoir s'il y a des signes masculins ou féminins? Est-ce que, par exemple, vous pourriez me redire, là, à cette table ronde ou dans la salle, pour moi, un homme, c'est plus... C'est tel ou tel signe, c'est ce qu'on dit généralement sur tel ou tel signe, c'est la combinaison de X, Y, Z signes, et une femme, c'est la combinaison de Y, Z signes. Enfin, est-ce qu'on peut je propose que chacun d'entre nous donne deux signes pour définir ce qu'il pense être l'homme et deux signes pour ce qu'il pense être la femme. Est-ce que je peux répondre quand même clairement? Aujourd'hui, plus personne ne sait ce que c'est qu'un homme et qu'une femme. La chose s'est tellement modifiée que si tu essayes de dire quelque part ce qu'est un homme ou ce qu'est une femme, tu vas te faire lapider tout de suite. D'accord. Si ça date à Jérusalem, avait demandé à la Knesset qu'est-ce que c'est qu'un juif, tous les juifs se seraient entretués, ils seraient restés maîtres du terrain. Tu vas obtenir ce même genre d'effet avec les D'accord. signes. Ça c'est une Cassandre. Bon, non mais on va se prêter à cette dynamique. Je vous assure que c'est intéressant, ça va pas vous manger, ça va pas vous tuer. Mais pourquoi? Alors, donc... Juste une question de Nathalie Brode. Pourquoi est-ce qu'il devrait y avoir des signes zodiacaux qui parlent de l'homme et des signes zodiacaux qui parlent de la femme? Non, j'ai pas dit ça. Poser la question, c'est déjà induire la réponse. Non, je n'ai pas dit ça. Vous n'écoutez pas ce que j'ai dit. J'ai pas dit qu'il y avait... C'est curieux à quel point on n'écoute pas ce qui est dit. Je n'ai pas dit qu'il y avait des signes zodiacaux qui étaient vrais pour la femme ou pour l'homme. J'ai dit les descriptions qui sont attribuées aux signes zodiacaux. Peu importe qu'elle se trouve en rapport avec ces signes, est-ce que vous pourriez vous servir de typologies zodiacales, mais en oubliant qu'elles sont zodiacales, pour décrire, par exemple, le problème de l'homme et de la femme? Est-ce que vous pouvez instrumentaliser le langage zodiacal pour décrire, pour étudier un problème aussi particulier que l'homme et la femme? De même que, par exemple, M. Ruiz, tout à l'heure, a instrumentalisé les valeurs planétaires pour définir les pays. C'est-à-dire pour clarifier, il a utilisé le langage. Mon ami Yves Laumont est l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle le langage astrologique. La langue astrologique. Donc c'est bien ça. Donc ça veut dire qu'en dehors, qu'est-ce que c'est qu'une langue? Ça veut dire qu'en dehors de la question du calcul qui détermine qu'on a le droit d'utiliser telle description à propos de telle personne parce qu'elle est née à tel endroit, c'est un langage en lui-même. Et ce langage, je propose que nous l'utilisions pour formuler notre jugement sur des situations X ou Y qui n'ont rien à voir avec l'astrologie. C'est-à-dire, est-ce que ce langage nous permet de parler, de nous exprimer, d'exprimer notre opinion personnelle? Est-ce qu'on peut employer notre expérience? Parce que si nous ne pouvons, nous, astrologues, parler du Bélier ou du Taureau que à condition que nous sachions que la personne, effectivement, a dans son thème le Bélier ou le Taureau, on voit qu'on est vraiment des petits pantins. En revanche, si on vous dit, vous avez un langage astrologique, on vous demande simplement, comme expérience, d'utiliser ce langage astrologique de façon complètement libre pour exposer votre opinion sur un sujet ou un autre, sur une personne ou un autre, sans vous demander si cette personne est effectivement marquée par le Bélier ou le Taureau, vous comprenez la gymnastique? Ah non, mais je comprends. D'accord. Donc je vous demande cette gymnastique, je vous demande, pouvez-vous me décrire, d'après ce que vous sentez, l'homme et la femme, en me disant, je pense que c'est plutôt en rapport avec tel ou tel signe zodiacal. Voilà. Non. Comment? Je veux dire, je ne peux pas faire déjà ça avec une question. Monsieur Larry, si je vous dis, parlez-moi de la femme, vous allez employer des mots. Mais pas de la thématique du clavier zodiacal. Ah, bon, d'accord. Donc la thématique du clavier zodiacal ne vous permet pas de vous servir, vous ne pouvez pas vous servir de la thématique du clavier zodiacal pour exprimer votre point de vue sur un sujet ou sur un autre. Si, mais pas sur ce point, pas sur le point. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui sont disposées à faire cet exercice? De dire que pour eux, et ça n'a rien à voir avec l'astrologie, c'est à voir avec le langage, ce n'est pas la même chose, le langage astrologique, de dire que pour eux, la femme
correspondrait plus à un mélange, par exemple, je sais pas, de balance et de taureau, ou de ceci ou cela, peu importe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable d'utiliser ce langage? Pardon? Oui. Merci, Véronique. Je vous remercie. C'est clair. Voilà. C'est exactement ce que je viens de dire. D'accord. Ça n'engage que vous et ça n'engage que votre métier. Alors allez-y, venez ici prendre Nicolas. Je veux bien essayer. En préliminaire, je pense que c'est vrai que c'est un petit peu absurde et c'est pour l'exercice. Oui, oui. Ah, d'accord. Donc, on peut penser que c'est un exercice absurde, mais c'est un exercice qui peut être enrichissant à l'usage. C'est pour. Voilà. Merci, vous êtes. Vous avez un micro là. Et je vais essayer, je vais être caricatural. Bon, voilà. Effectivement, si je veux qualifier un homme, je vais prendre, j'ai deux signes qui me viennent spontanément à la tête, hein, dans le cadre de cet exercice, c'est plutôt le bélier, et plutôt le capricorne. D'accord. Et si j'avais à qualifier une femme, ça serait plutôt le cancer et la balance. D'accord. Donc, bon, le hasard fait que ben, c'est les quatre signes cardinaux. Oui. Hein? Mais bon, voilà, est-ce que ça répond à votre question? Ça. C'est-à-dire que c'est, vous faites l'exercice qu'on vous a demandé. Tout à fait. Bon, et effectivement, ça répond à ma question parce que, parce qu'effectivement, si on arrivait à montrer, mais c'est une hypothèse actuellement, si on arrivait à montrer que finalement la femme n'est pas du tout ce mélange de cancer et de balance, ça poserait un petit problème sur la compétence de l'astrologue quelque part. C'est-à-dire qu'il, bon, mais alors est-ce que d'autres personnes sont prêtes à... Non, parce que le présupposé n'est pas... Bon, écoutez, monsieur, pas de provocation, parce que je risquerais d'être désagréable. Écoutez, c'est un exercice, je crois que je suis une personne sensée, je sais très bien pourquoi je fais cet exercice. Alors, bon, s'il y a des personnes qui bloquent à ce niveau-là, c'est pas grave, c'est pas le problème, mais que quelqu'un dise c'est idiot ou c'est bâtard, je vous demande un petit peu de je ne parle pas pour vous spécialement, mais je vous dis que c'est tout. Et de toute façon, on est enregistré, alors ne commencez pas à dire n'importe quoi parce que ça restera. Alors, calmez-vous dans vos propos des uns et des autres. Bon, ok, alors, est-ce que quelqu'un d'autre est... Bon, alors on peut analyser, soit on peut commencer à analyser le propos de M. Nicolas, soit on peut continuer à faire le tour des personnes qui sont ici. Juste, Barbeau, il n'en a pas parlé du tout, ça. Non, attendez, je crois que l'exercice qu'on est en train de faire est complètement nouveau. C'est complètement nouveau, c'est application de la langue astrologique, et je fais ça en l'honneur de M. Yves Aumont, application de la... Si l'astrologie est un langage, si elle n'est pas ça, si elle est un langage, ça veut dire que nous... Elle est un, comme un langage, moi je parle français, un langage, nous pouvons exprimer ce que nous voulons dans un langage. Ce langage n'est pas crypté, n'est pas codé. Je parle, je dis ce que je veux. Bon, si l'astrologie est un langage, je peux me servir de ce langage pour dire ce que je veux, pour exprimer mon sentiment sur ce que je veux. Et sans me référer à je ne sais quelle autorité qui me dise vous avez le droit ou pas le droit de dire ceci ou cela. On peut juste dire une chose qui est très simple, qui n'est pas tout désagréable, c'est que le cycle zodiacal, c'est un cycle. Il envisage donc d'étudier quelque chose qui est mouvant. Par principe, quand on essaye de réfléchir à un homme, une femme, c'est une opposition qui n'a rien de mouvante. Donc comment un cycle pourrait nous parler de quelque chose qui est fixe comme une opposition? Attends, on revient à la discussion. Non, mais apparemment, s'il y a un problème, c'est que ça vaut la peine. On revient à la discussion, on oublie que c'est un cycle, prend simplement un langage, on ne fait pas d'étymologie astrologique, on oublie que c'est un cycle, c'est un langage avec 12 catégories, on oublie d'où ça vient, et on essaie de l'utiliser pour des questions O, X et Y, c'est tout. Par exemple, si je vous disais, par exemple, tel personnage dont on ne connaît pas le thème astral, vous le verriez sous quel signe, ce serait exactement le même exercice. Ce serait exactement la même chose, c'est un exercice à l'envers. C'est-à-dire que connaissant un certain nombre de choses sur un personnage, ne se connaissant pas sa date de naissance, je vous demande de me dire, vous, d'après votre ressenti de ce que vous avez sur ce personnage, comment vous le qualifieriez. Bon, apparemment, cet exercice, il est insupportable. C'est intéressant. Ça prouve bien que nous sommes totalement conditionnés par notre pratique astrologique à un point tel que nous sommes devenus des débiles mentaux. Voilà. Bon, alors donc, et c'est intéressant ça. Il a répondu. Non, mais alors allons plus loin maintenant. D'accord, alors on va répondre. Mais enfin, effectivement, je ne vois pas où est le problème. Mais c'est très intéressant. Je ne suis pas du tout surpris des réactions. Ne croyez pas cela. Au contraire, j'en suis ravi. Ça ne fait que renforcer mon dossier. Bon, alors, donc de ce côté-là, bien sûr, je suis ravi. Il n'y a pas de problème. Je ne me sens pas du tout agressé, ni quoi que ce soit. Au contraire, je trouve ça. Je suis comblé. Je suis comblé par ce que j'entends. Comblé. Alors donc, je reprends, monsieur, j'entame la discussion avec monsieur Nicolas, bon, qui a exprimé, je veux dire franchement que votre réponse ne me surprend pas.
Je ne pense pas qu'elle surprenne qui que ce soit. Je m'attendais tout à fait à ce genre de réponse. Donc on va dépasser le stade. Donc effectivement, l'idée d'associer plutôt l'homme au bélier et plutôt la femme à la balance ou au cancer, bon, c'est quelque chose qu'on pouvait déjà présager. Donc vous voyez bien qu'il y a bel et bien une faculté que nous avons d'utiliser un certain nombre. Si ce qu'il avait dit était imprévisible, on voit bien que M. Nicolas se contente purement et simplement d'utiliser un langage en toute. Puisqu'on ne connaît pas, par définition, on ne sait pas ce que c'est que le thème de naissance d'un homme ou d'une femme, il utilise ce langage en toute liberté. Il a un discours, il a un langage qui est à sa disposition, il l'utilise en toute liberté, il l'utilise à sa façon, à sa guise, comme il l'entend, pour qualifier ce qu'il entend, point. On peut dire que peut-être il fait référence aux fonctions planétaires, comme on a parlé des fonctions planétaires qui maîtrisent ces signes. Mais c'est pas vrai. Mais alors il faut. Non, écoutez, on va vous enfermer si ça continue. Mais c'est pas vrai. Vous voulez pas sortir de votre carcan astrologique, c'est pas possible ça. Il y a un problème, il y a une pathologie là. Mais non, mais attendez, quand quelqu'un vous dit c'est le bélier, il est évident que derrière sa voix et force, c'est au maître du bélier. Mais ça correspond probablement aussi à l'idée qui se fait de l'homme.